Eh bien bonjour à tous les potes, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? On se retrouve pour la suite de ce concept, la France aux Français. Alors avant de commencer, je rappelle, comme je le fais à chaque fois, je tourne avec énormément d'avance. Allez, devinez, à peu près le... On est quel jour là? Quand je tourne, nous sommes le lundi 26 juin. Ouais, donc on a quasiment 3 semaines d'avance. Donc il n'y a pas les bons maillots. Hein. Voilà, je sais, il n'y a pas les bons maillots. À part ça, ça ira. Normalement, il y a juste les maillots qui sont pas les bons. Évidemment, je ne connais pas l'actualité du Tour de France. C'est-à-dire que le Tour de France n'a pas encore commencé. Donc, par exemple, peut-être que Romain Bardet a gagné 3 étapes et je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Donc voilà, évidemment, ne m'en voulez pas. On va se concentrer sur le concept. Donc, petit rappel pour ceux qui arrivent en cours de route. Déjà, n'hésitez pas à aller voir les deux premiers. Ça n'a rien de politique. C'est pas une propagande, c'est juste le nom du concept. Évidemment, il n'y a que des coureurs français dans ce tour, que des coureurs français et rien d'autre, évidemment, indépendamment des origines, de la couleur de peau, bien sûr. Si t'as le passeport français, tu viens, c'est tout, c'est comme ça ici, évidemment. On se complique pas la tête, on se complique pas la vie, pardon, on se prend pas la tête. Donc voilà, la dernière fois, c'était Godu qui avait remporté l'étape devant Warren, devant Warren Bardet, devant Romain Bardet et Warren Barguil. On avait été un peu décevant avec Guillaume Martin, seulement une 5e place à 2,37 derrière Paré-Peintre et Barguil, notamment, à qui on avait tenu pourtant la dragée haute pendant l'ascension du Galibier. On n'avait pas réussi à suivre dans la descente. On avance, évidemment, Godu et le maillot jaune pour le moment, mais on n'est pas à l'abri d'une craquante peut-être dans le futur, sachant qu'en plus il avait une excellente forme et ça va aider forcément. Martin est 6e, on a les points et on a le vert pour le moment avec Pérez et Coquard. On est parti, les 3 étapes de l'épisode aujourd'hui. Belleville en Beaujolais, une très belle étape pour les coureurs qui voudraient partir à l'avant. Bah, d'ailleurs, l'étape peut-être d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement quand la vidéo sort, peut-être l'étape d'aujourd'hui ou l'étape d'hier. Donc Belleville en Beaujolais, Pollarens, une belle étape de montagne également, de moyenne montagne dans le jeu, mais bon, on a quand même un beau color catégorie, le col du Soudé, ça devrait faire mal. Et Vierzon, le Creusot, une très très longue étape marathon de 201, de 251 km, avec une arrivée après le signal du son, c'est bien ça, classé en 2e catégorie. C'est parti, Roanne, Belleville en Beaujolais, une étape qui devrait a priori réussir, sourire à un baroudeur, donc on va emmener quelqu'un dans l'échappée. Sur 5 étapes, 4 étapes en ligne, et Anthony Pérez est parti 3 fois à l'avant jusqu'à présent, donc c'est parti, on fait tourner un peu. C'est Axel Zingle cette fois-ci, je sais apparemment c'est Zinglé, mais moi je dis Zingle. Voilà, moi j'ai envie de dire Zingle, je dis Zingle. C'est rigolo, Zingle en plus. Et Aloïs Charin qui contre derrière. On est avec Konatski enfin. Et j'avais dit, il y a quelques. Bah, la dernière fois, j'avais dit, et jusqu'à présent, on n'a que des points qui nous suivent. Les points. Bon, les points, je vais pas répéter ce à quoi correspondent les points. Je l'ai déjà dit dans les 2 premières vidéos, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Donc voilà, vous savez maintenant. Donc il n'y avait que des points qui nous accompagnaient dans l'échappée avec Anthony Pérez. Cette fois-ci, enfin, on a des vrais coureurs. On a Konatski, Charin, Aloïs Charin, Andrea Mifsud, Kenny Elissonde, Axel Laurence, et on a Kwanon de la Nice Métropole. Ça fait 2 coureurs donc de la Nice Métropole, c'est bien ça, avec Mif Sud. Et on part sur une belle petite échappée là pour le moment. Ça c'est sympa ça. Eh bien ça y est, l'échappée est officiellement partie. On a une belle échappée avec, comme j'ai dit, uniquement des coureurs réels. On a 3 Movistar notamment, donc c'est la Nice Métropole. Ils sont quand même très bien représentés dans cette échappée. On a Urruti, Mif Sud, Kwanon, Bouvier de la Bike Aid, Koreski de la Borans-Greu, Elissonde de la Trek, Delacroix de la Saint-Michel-Aubert. On a Lilian Calmejane aussi. Et on a évidemment Axel Zingle et Axel Laurence de la Alpecin-De-Koninck aussi, l'ancien coureur de la BNB Hotel KTM. On entre dans le final avec 3 difficultés de 2e catégorie qui vont s'enchaîner. Le premier, le col de la Casse-Froide. La première, puisque le sujet de la phrase était une difficulté. On a Kwanon, Elissonde et Urruti déjà distancés. Et c'est difficile pour Bouvier également de la Bike Aid. Avec Axel Zingle, on s'accroche, hein, mais ça roule très très fort, n'empêche, dans cette échappée. On sent le vent du peloton souffler, c'est normal. Ça, qu'on commence à avoir peur. On s'est dit, on est 11 quand même dans l'échappée, ça peut aller au bout. Et puis là, le peloton qui roule très très fort. On a déjà des coureurs distancés, hein, en plus, au-delà des points. On a déjà des coureurs distancés, Van de Piet de la Bingoal, Aleno de la Burgos, Tabellion c'est pour la Van Rysel, Roubaix Lille Métropole en effet. Donc voilà, plus que 72 coureurs, quoi donc qui va se faire engloutir. Pareil pour Elissonde et Urruti dans quelques instants. Et on n'est plus que 7 désormais à l'avant. Axel Zingle, il va falloir récupérer puisque clairement c'est pas le plus aérien de l'échappée.
Et Axel Zingle qui paye sa méforme aujourd'hui, malheureusement distancé. Distancé le nordiste de la Cofidis. On a Aloïs Surin, Axel Laurence. Derrière, on va reprendre aussi Vincent Koretsky. J'ai un doute sur son prénom. Et ils sont plus que 3 à l'avant. On a André Amif Sud de feu. Hein. Je rappelle ses notes, c'est 68,9 de général. Pourtant, il a distancé des très bons coureurs derrière lui. Et il distance en plus de la Croix, de la Saint-Michel-Aubert, André Amif Sud en feu. C'est Calmejean qui passe en tête au sommet de la Croix Montmain. Et derrière, ça roule très 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 fort également. Va falloir que je donne des petits gels. Thomas, ça va passer. Renard, c'est pas passé par exemple. Renard, c'est pas passé. Et allez, Axel Zingle, l'avant-dernière difficulté du jour. Et c'est une étape qui fait très très mal. C'était pas prévu. Hein. C'était pas prévu. Je m'attendais à une course pour baroudeur. Voilà, tranquille, le peloton qui fait pas grand chose. Mais au final, on a une course épique. C'en est fini pour Axel Zingle, repris par le peloton, emmené par la Quickstep, la Arkea Samsic et la AG2R, la mondiale. On va passer sur Guillaume Martin quand même, c'est la priorité, même si à 30 km de l'arrivée quand même, je doute qu'on ait des attaques, très honnêtement, je n'y crois pas trop. Et on sait jamais, hein, ça peut arriver de partout. Bardet a du temps à rattraper par rapport à ce qu'il a perdu hier, un Serre Chevalier. Il faut qu'il rattrape du temps, donc ça passe par des attaques sur ce genre d'étape où on l'attend pas trop. Bon, ça roule très très fort, hein. C'est assez fou là. Pourtant, bah voilà, 30 km, il nous reste 30 km. À mon avis, Perez l'a fait, ça peut passer. Mais les autres, ça craquera avant le sommet, hein, de ce col de la Croix-Rosier. Faut pas oublier qu'il y a des secondes quand même à prendre au sommet de ce col de la Croix-Rosier. Ça peut être déterminant, sachant qu'en plus, le classement pour le podium, c'est très très serré. On est à 22 secondes de Barguil, donc si on va en prendre 8 au sommet du col de la Croix-Rosier, ça peut faire la différence et Godu l'a compris. Godu l'a compris, il joue les secondes. Est-ce qu'on va reprendre? On va pas les reprendre au final. Il n'y a que 2 secondes à jouer. On va quand même essayer d'aller chercher. Est-ce qu'on peut doubler David? Est-ce qu'on peut doubler David sur la ligne? Et non, il va les prendre. Il va prendre les 2 secondes. Allez, ah, c'est dommage de ne pas insister. Hein. Oula, ça a bugué la caméra. C'est dommage de ne pas insister parce qu'on avait creusé un écart. Et André Amif Sud qui fait une étape. Alors là. Non mais attendez les mecs, je vous assure, vous allez voir ces notes, vous allez halluciner. Calmejean, où est-ce qu'il est par exemple? Lilian Calmejean, il est là, 56ème, regardez les stats. C'est correct, Mif Sud, regardez la comparaison. Quelle étape il nous sort les gars. Axel Zingle, c'est pareil, normalement ça aurait dû faire un peu mieux là. 75,3, le mec s'est fait distancer. Par Mif Sud, pareil pour Laurence. Non mais là on a une étape, ça n'a aucun sens. Il nous sort une étape, il a aucun sens. Il a la super méga forme, un truc caché. Je sais pas ce qu'il se passe. C'est dommage de pas insister, j'insiste hein, pour le coup, pour ma part. Mais les favoris auraient dû poursuivre leur effort. On a quand même, bon, la tour c'est officiel, c'est pas un favori. Oh là là. Et j'avais laissé en mode automatique, mais il a pas tourné face au virage. J'ai eu peur, face au parapet. Bon, la tour distancée, ça c'est clair depuis l'étape d'hier, il est pas en forme. Mais derrière, on a un Paré-Peintre, 4ème. Il y a moyen de le distancer et ça ne poursuit pas l'effort, c'est dommage. Oh là là. Les frayeurs. Le regroupement donc au bas de la descente, on est à 20 km de l'arrivée. Ça serait dommage quand même, désolé, mais Mif Sud il est sympa. Mais si je peux aller chercher la victoire de mon côté avec la petite pointe de vitesse de Perez ou de Lafay, je vais pas cracher sur le steak. Et c'est Laporte lui-même qui fait le tempo, hein, carrément. Hein. Il roule tout seul. Non, désolé, on va l'aider. On va l'aider. Lafay, il est limite. Donc c'est lui qui va se sacrifier aujourd'hui. Il va rouler à 100. Calmejean, vous voyez, il est ressorti. Littéralement, il s'est accroché dans la descente et il est ressorti. Et on est plus que 19 donc dans ce peloton maillot jaune, évidemment. Niveau sprint, bah c'est Laporte gros favori évidemment. Il va falloir peut-être tenter de partir avant le sprint final. Sinon Laporte risque de tous nous fumer. On est dans une zone qui remonte, on a une étape de montagne demain. Mais allez les amis, on va faire l'effort. On va faire l'effort aujourd'hui à 15 km de l'arrivée. Si ça nous suit tant mieux, sinon c'est pas grave. Malheureusement pour Mif Sud, si j'avais pas roulé, peut-être que personne n'aurait roulé à ma place. Et il aurait pu aller au bout, mais là tant pis. Tant pis, à un moment, faut penser à ses intérêts perso. On n'est pas là pour faire de la charité, on est sur la France aux Français, les amis. On est sur la France aux Français. C'est de la discrimination anti-petite équipe, anti-petit coureur, malheureusement, pour Mif Sud, qui a fait quand même une très très belle étape et qui peut être fier de lui aujourd'hui. Il aura la combativité, là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais, oh, j'ai pris tout le rouge, j'ai peut-être fait une erreur. Bon, l'attaque qui n'a servi à rien au final, à part enterrer ses espoirs, ça n'a servi à rien. Et ça attaque à 10 km de l'arrivée, c'est Valentin Madouas suivi par Rudy Mollard.
Oh, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Comme je vous dis, moi je tourne le 26 juin. Donc les championnats de France, c'était hier. C'est exactement le scénario qu'on a eu sur les championnats de France. T'as juste à y ajouter David Godu. Bon, maintenant il va falloir réagir, sachant qu'ils sont sortis à deux Groupama FDJ en plus. Et Godu qui les a, qui les a. Non mais j'ai vraiment l'impression de voir le même scénario. Et Godu qui les a laissés s'échapper. Si on peut les rejoindre et collaborer avec eux, moi ça me pose aucun souci. Et Alaphilippe en plus, Alaphilippe qui va aussi. Ah ouais, mais ça roule pas, les gars. Bah, ça roule pas parce qu'il y a le maillot jaune derrière, c'est logique. Ça va pas rouler pour Martin qui est un concurrent pour la victoire finale. Et c'est Mollard qui retourne cette fois-ci. Pour la fée, c'est difficile. Pour la fée, très clairement, c'est difficile. Est-ce que Pérez pourrait se sacrifier éventuellement pour le bien de Guillaume Martin? Ici à 7 km de l'arrivée à Belleville en Beaujolais. Mais est-ce qu'il y a des autres équipes, aussi qui veulent d'autres équipes qui veulent venir rouler? Non, c'est Barguil qui vient attaquer carrément. C'est Barguil qui vient attaquer. Faut récupérer un peu du rouge. Ouais, j'ai fait une erreur. Tout à l'heure, j'ai dépensé du gel rouge pour rien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est le mauvais réflexe. Il y a du. Vous avez le feu vert, les gars. Bah, de toute manière, j'attendais pas ton accord, pour être honnête. Et c'est Bardet donc qui attaque, si je l'entends bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Bardet n'a pas attaqué. On a repris cette échappée donc furtive à 4 500 km de l'arrivée. Ça sert à rien de rouler, Perez, maintenant. Juste petit point. Niveau sprint, éventuellement, sprint massif. Petit point là sur les forces en présence. Perez, 69-73. Sachant qu'il est en super forme. 72 de sprint, 76 d'accel. Pourquoi pas? Martin, c'est non. Ok, donc Perez priorité. Faut pas que Martin perde des secondes bêtes non plus. Barguil qui attaque évidemment. Lafay qui a été distancé. La porte est toujours présente. La porte, le très grand favori en cas de sprint final, toujours présent. On a Sénéchal aussi, qui est juste ici. Ne pas l'oublier. Qui a une bonne pointe de vitesse. Qui a fait quatrième notamment l'an dernier sur l'étape à Cahors où la porte s'était imposée. Coup du sort. Et c'est Champoussin qui passe à l'offensive désormais. Faut que Pérez soit fort. Hein. Faut que Pérez soit fort. Moi, je le dis, il y a peut-être un résultat en jeu. Allez, oula, là, j'ai cru que j'allais me faire compresser sur la barrière. On va passer sur Pérez. On va passer sur Pérez. Martin, ça devrait le faire. J'espère qu'il va pas faire, qu'il va pas prendre de cassure bête, bête, bête. Bon, en tout cas, aucun favori ne va perdre du temps aujourd'hui. Et peut-être que certains vont en gagner, notamment Warren Barguil ici, qui a pris un peu d'avance. Est-ce qu'il s'est sacrifié là, hein? Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur? On va dire à Martin d'attaquer pour le sprint, évidemment. Et avec Anthony Pérez, c'est parti. On va lancer notre sprint. On va lancer notre sprint ici à Belleville en Beaujolais. Godu est bien sorti, hein? Godu est très très bien sorti. Est-ce qu'Anthony Pérez peut faire une belle perf? Allez Anthony, allez Anthony. Ah, même en reprenant du rouge, ça ne va pas le faire. Même en reprenant du rouge, ça ne va pas le faire. Grande victoire une nouvelle fois de David Godu. Et Martin, c'est bon, Martin il a franchi la ligne. Donc ça devrait le faire, pas d'écart. Mais David Godu qui vient une nouvelle fois confirmer que c'est lui l'homme fort de ce tour. Mais c'est assez fou parce qu'il lance son sprint à 1 km 300. C'est comme si elle est dans la réalité, il lance son sprint à 300 mètres quoi. Voilà, grosso modo. Et il est quand même venu s'imposer assez largement avec la manière. Pérez, c'est dommage, hein. Pérez, c'est vraiment dommage. Mais Godu a été le plus intelligent aujourd'hui. Et la porte qui s'est fait piéger. La porte qui s'est fait piéger, qui prend seulement la troisième place. Et Martin qui a fait le sprint. Il a respecté ma consigne. Et il prend la septième ou huitième place. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait aucune perte de temps sur une étape qui aurait pu être piégeuse. Bon, Pérez qui fait une belle deuxième place. Comme j'ai dit, il y a une cassure de 4 secondes avec Godu. Mais de toute manière, voilà, Godu, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. Bon, désolé, André Amif Sud. Hein, j'ai roulé derrière toi pour seulement une deuxième place. Dommage, mais il a fait une très belle étape aujourd'hui quand même, impressionnant là. Il vient chercher la 20e place. Bon, aucun favori distancé comme vous le voyez à part Latour qui n'est plus un favori. Voilà, c'est pas la première fois qu'il perd du temps comme ça. Alors, on a quelques heures délai, on a quelques heures délai côté points. Et le dernier de l'étape, c'est Denis qui finit carrément derrière d'autres points. Hein. Je rappelle qu'ils ont 50 de général partout, je sais pas comment il a fait son compte. Général, aucun changement logique. Maillot à pois, aucun changement. Maillot vert, pas de changement. Maillot blanc, toujours Champoussin. Équipe Larca, combatif Pérez. On avance les amis, deuxième étape de cette vidéo, Pau-la-Reims. Une belle course aussi. Vous aussi, vous savez qui a remporté cette étape dans la réalité? Moi je n'en ai aucune idée. Pau-la-Reims, un col hors catégorie, un col de première catégorie, Marie-Blanc dans le final aussi. Bon, on peut avoir un beau spectacle aujourd'hui. Donc vu l'attaque de l'échappée, on va directement aller dans le classement. Ils sont 21 à l'avant. Déjà il y a des points, normalement il y a des, petits points. Ouh la vache. Ah mais non, ça compte pas, ça c'est les coureurs qui ont fini en délai, ok. Donc on en a un là, un là, un là. 4.
Ok, donc on a Minguenaud, Hennequin, De Beaumarchais, Koretzki, Adrien Petit, Samuel Leroux, Aloïs Charrin, Delacroix, Jordan Jega, Gachignard, Calmejean, Mif Sud qui retourne à l'avant, le boss. Julien Simon, Axel Laurence, Nance Peters, Anthony Perez et Julien Bernard. Anthony Perez, évidemment, c'est le jour J. C'est le jour J où on va confirmer notre maillot à points. Évidemment, on a déjà pas mal d'avance sur le deuxième. Aujourd'hui, il suffit de passer en tête de leur catégorie. C'est quasiment fini. Hein. C'est quasiment plié. La seule crainte, en fait, c'est voilà, la seule concurrence, ce sont les favoris du classement général qui pourraient passer en tête, notamment du Mont Ventoux lors de l'avant-dernière étape. Allez, ça c'est un bon point. Ça c'est un bon point pour commencer la journée. Les favoris, évidemment, qui peuvent passer au sommet du Mont Ventoux, qui peuvent passer au sommet du col de Soudé, qui peuvent passer au sommet du col de Marie-Blanc aujourd'hui, c'est eux la vraie concurrence. On est à 2 km du sommet, on n'est plus que 10. Donc les 4 points qui ont été distancés et se sont déjà fait distancer du peloton d'ailleurs. On a aussi Hennequin qu'on voit pas ici qui s'est fait reprendre par le peloton. Adrien Petit, Jordan Jegam, Guenot, De Beaumarchais, Laurence, Bernard. Et ici on est donc 10 avec Charin qui va se faire distancer, Koretzki qui va se faire distancer aussi. Ça c'est un coureur de la Roubaix-Lille Métropole, Leroux qui est distancé. Et avec Perez il va falloir faire un peu mieux que ça hein, pour essayer de chercher les points au sommet du col de Soudé. On ne sera pas capable d'aller en prendre à Marie-Blanc. Donc au moins la passer quatrième, au moins faire cet effort. Ah, on va passer devant Julien Simon malgré tout. On va passer devant Julien Simon et c'est des coureurs de la Saint-Michel-Aubert qui nous sortent une étape de folie à leur tour. Je sais pas ce qu'ils ont là, les coureurs de Conti. Et ils vont passer tous les deux ensemble au sommet. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable ce à quoi on assiste. Allez, au moins passer troisième, pas se faire piéger derrière par Lilian Calmejean qui est bien placé hein, au classement du meilleur poids. Oh non, Julien. C'est pas fair play, c'est pas beau, c'est pas beau. On va passer seulement cinquième. Donc, oh non, même pas, même pas. Ah ouais, non, mais là, c'est carrément, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, on va écouter, les amis. Seulement sixième, on prend que 6 points. Bon, apparemment, on a assez de points d'avance. Pour le moment, très bien, on le conserve. Mais attention, attention évidemment, puisqu'il y a des étapes qui restent. Il y a des étapes qui restent, notamment le Creusot et le Mont Ventoux. Il y aura des points à prendre pour les favoris. Ça me rassure pas la condition de Perez malgré son excellente forme, qu'on se soit fait distancer par deux coureurs de la Saint-Michel-Aubert. On passe au sommet du col d'Hichères où seulement 2 points seront donnés pour le coureur qui passera en tête. C'est pas beaucoup quand même puisque c'est une belle difficulté. Ouais, je me disais on va le jouer mais bon, il y a quand même un beau col de Marie-Blanc après. Au moins assurer un petit point. Et on assure un petit point au minimum. Va falloir récupérer dans la descente. On n'est plus que 8, plus de Nance Peters par exemple qui s'est imposé à... Qui s'était imposé à Loudenvielle en 2020, pour ceux qui s'en souviennent. C'était une belle étape qu'il nous avait proposée. Donc Simon, Perez, Delacroix, Mif Sud. Toujours les deux Saint-Michel-Aubert qui nous sortent une sacrée étape. Et 41 coureurs dans le peloton, avec bah, littéralement toute notre équipe, à part Axel Zingle qui s'est fait distancer. Ou Axel Zingle, comment ça il s'est fait distancer? Il a abandonné, c'est obligé. Je suis sûr qu'il a abandonné. Et j'ai pas fait attention. Non. Attendez. Qu'est-ce qu'il a fait? À mon avis, il s'est fait distancer sans faire exprès. Ok, bon, c'est pas grave. Nous sommes dans le col de Marie-Blanc et ça attaque derrière. Malheureusement, l'échappée risque de ne pas aller au bout. Malgré les 21 coureurs qui étaient présents au départ de l'étape. Julien Philippe qui a placé la première banderie du côté du peloton. Et ça suit. Ça suit. Martin est en bonne condition malgré son excellente méforme. En effet, excellente méforme. On n'a pas eu trop de chance hein, jusqu'à présent hein, par rapport aux formes de Guillaume Martin. C'est dommage. Et c'est Julien Simon qui passe le premier à l'offensive. Suivi par Gachignard. De la Saint-Michel-Aubert. Bon allez, foutu pour foutu. Foutu pour foutu, on va se faire un dernier plaisir avec Anthony Perez. On est dans les pourcentages dangereux de cette ascension du col de Marie-Blanc. Et Alaphilippe vient de faire la jonction. Gachignard distancé, on n'est plus qu'avec Julien Simon. Et donc Alaphilippe côté Anthony Perez. Julien Simon qui s'écarte peut-être, qui est en difficulté. Non, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Mais bon, le peloton revient juste derrière de toute manière. Non, il s'accroche pas, hein. Vraiment en difficulté, il se laisse couler à l'intérieur du peloton. On n'a plus qu'un coureur derrière. Martin, on va déjà donner le gel bleu, il faut le donner le plus tôt possible. Bon, Julien Simon qui s'accroche, mais c'est peine perdue évidemment. On va repasser sur Guillaume Martin pour cette fin d'ascension. Je doute qu'on ait énormément d'attaques. Après, hier, on en a eu, évidemment. Peut-être qu'on en aura aujourd'hui, mais c'est vrai que l'ascension, elle est loin aussi. Hein. L'ascension est assez lointaine. Le fait qu'il y ait des secondes à distribuer, ça peut motiver certains. Ça, on sait bien que ça peut en motiver certains. Et voilà la première attaque
Enfin, la deuxième, après celle de Julien Alaphilippe, c'est Pavel Sivakov qui passe à l'offensive. Et moi, j'ai envie de la suivre, cette attaque de Pavel Sivakov. On n'est plus que 13 dans le peloton. Hofstetter qui était toujours présent, bah dis donc. Pierre Latour hein, qui est lâché encore une fois, pourtant annoncé comme un des favoris, qui ne tient pas, qui ne tiendra jamais, j'ai l'impression, qui ne répond pas aux attentes. Bon, j'ai pas réussi à suivre l'attaque de Pavel Sivakov, faut dire que j'ai pas fait énormément d'efforts. Est-ce que ça va y retourner? C'est Pinot qui vient rouler pour David Gaudu. Il y a encore Madouas et Pinot, hein, côté Groupama FDJ, l'Armada Groupama FDJ. Vauquelin, Bouchard, distancé, on n'est plus que 11 au total en comptant le coureur de la Ineos Grenadier à l'avant, le natif d'Italie d'ailleurs. Donc d'origine russe, né en Italie, mais qui représente la France. En même temps, voilà, il a quitté l'Italie à 2 ans, il me semble, quand il avait 2 ans. Laurent Pichon, qui était encore présent aussi, hein, qui est distancé, on n'est plus que 9 dans ce groupe maillot jaune. Thibaut Pinot qui met le tempo, qui met la cadence. Et Barguil distancé, ça c'est beau ça. Ça c'est beau par contre. Warren Barguil distancé, et Clément Champoussin qui l'attend. Clément Champoussin qui attend Warren Barguil. Et là ça part en banc, là ça part en sbeul. Là ça part en sbeul littéralement. Est-ce qu'on va prendre des secondes au moins au sommet du col de Marie-Blanc? J'ai envie de garder mon rouge. Je veux pas faire la même erreur qu'hier. On va prendre 5 secondes de bonus qui peuvent s'avérer très précieuses au classement final. Et il faut essayer d'accrocher Gaudu. Malgré l'étape difficile, il faut essayer d'aller chercher David Gaudu. Et ça part dans tous les sens. Les amis, regardez-moi ça. Warren Barguil distancé. Et ça, c'est très très bon. Lui qui avait fait... Oh là là, j'ai eu peur. La petite... Oh, j'ai triché. Non, j'ai honte. J'ai triché. J'ai mis pause juste avant de rentrer. Je le ferai plus. Je vous promets, je ne le ferai plus. J'ai fait une erreur. Bref. La descente, en plus, elle n'est pas immédiate. Hein. Bref, Barguil qui avait fait une énorme étape à Serre Chevalier. Qui cette fois-ci est distancé dans les pentes du col de Marie-Blanc, qui est quand même un sacré col. Il faut le dire, qui est une belle difficulté. Alors par contre, que Gaudu le sache, je ne peux pas relayer. C'est littéralement, je ne peux pas relayer. Il reste 16 km. C'est hors de question que j'utilise mon gel maintenant. Et voilà, on est repris. On est repris par 4 autres coureurs, Bardet, Sivakov. Enfin, 3 autres coureurs, Bardet, Sivakov et Valentin Madouas, qui est présent. Évidemment, Madouas, il va se porter à l'avant pour rouler. Pour le chef, David Gaudu, Pinot derrière et Alaphilippe, Par et Peintre qui sont distancés. Donc pour l'instant, nous sommes sur le podium, les amis. Par et Peintre et Barguil qui sont relégués. Et non, il y a Sivakov encore, en effet. On n'est pas sur le podium, on est quatrième. Derrière Pavel Sivakov, Bardet et Gaudu. Et Madouas, évidemment, qui va venir rouler pour David. La descente, elle intervient quand? La descente, elle intervient dans à peine 2 km. Et j'espère que Barguil, Par et Peintre, Champoussin, Alaphilippe pourront ne pas trop en profiter. Ça nous arrangerait. Faut que Gaudu fasse absolument rouler Valentin Madouas. Hein. On est au bas de la descente, il nous reste 7 km. Alaphilippe est très très loin. Et voilà, attaque de Pavel Sivakov. C'était ça qu'on attendait, attaque de Pavel Sivakov. Et voilà, Madouas qui vient rouler, évidemment, enfin. Sivakov qui se sacrifie pour le peuple. Hein. Il se sacrifie vraiment pour le peuple parce que moi, j'avais pas l'intention de bouger le petit pouce. Et il se sacrifie pour personne. Enfin, Sivakov s'est sacrifié, mais Madouas qui passe à l'offensive cette fois-ci. Qui a des cartes blanches, hein. Madouas qui a vraiment des cartes blanches, on l'a vu hier, il avait attaqué avec Rudy Bollard. Bah, c'est vraiment des potes, hein, David Gaudu et Valentin Madouas de toute manière. Et c'est reparti, Romain Bardet qui attaque avec David Gaudu. On veut pas laisser rentrer Pinot, ça c'est triste. Mais on veut pas laisser rentrer Barguil, Alaphilippe et Paré Peintre. Vous l'avez vu, hein, Champoussin qui a fait exprès de perdre du temps pour attendre le breton Warren Barguil. Et aujourd'hui... ça va le payer très très cher. Côté Barguil, ça va payer très très cher cette grosse défaillance, cette grosse fringale qui est intervenue dans le Marie-Blanc. Pareil Peintre, c'est pareil. Hein. Alaphilippe, pareil Peintre, ça a pas performé aujourd'hui comme ça l'avait fait sur l'étape de Serre Chevalier. Alors on est en très mauvaise position. On est le premier. Là, on est le premier. Est-ce qu'on peut perdre un peu de... Ouais. Madouas, on lui pose pas de trop de soucis, même si je pense que c'est le meilleur au sprint. Merci pour la confiance, mais j'y crois pas trop, après on joue à armes égales hein, face à un Gaudu, un Bardet, un Sivakov, mais Madouas, clairement en termes de pointe de vitesse, c'est supérieur, ça va à 2 à l'heure, c'est un truc de fou, comme un vrai sprint en petit comité, allez, qui va lancer en premier, nous ça tient pas plus de 600 mètres, hein, la barre rouge, allez c'est parti, c'est David Gaudu qui lance en premier. Est-ce qu'il va le faire le breton? Nous on n'ira pas chercher mieux qu'une cinquième place malheureusement. Et c'est Romain Bardet qui va s'imposer. C'est la première fois qu'il prend
les devants par rapport à David Godu. Et pour être honnête, je suis très content de mon étape avec Guillaume Martin. On était en méforme aujourd'hui. On était en méforme et on a fait mieux que Barguil, que Paré-Peintre, qu'Alaphilippe. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire justement sur l'étape de Serre Chevalier. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on se rapproche dangereusement du podium grâce à la bonification qu'on a pris au sommet du col de Marie-Blanc. Belle victoire pour Romain Bardet, pour Rominou devant Godu, Madois, Martin et Sivakov. Quasiment pas d'écart. Donc c'est vrai que Sivakov a pris les 2 secondes derrière nous. Hein. Ça je l'avais zappé. Pino à 53 secondes. Alaphilippe qui prend une 4 dans les dents. Paré-Peintre une 20. Barguil qui prend une 34 qui était en méforme. Et Paré-Peintre était en bonne forme pourtant aujourd'hui. Champoussin 10ème donc après avoir attendu Barguil. Et concrètement après on peut plus trop considérer ça comme des favoris. Il y avait la Tour, mais la Tour encore une fois qui a pris un sacré tir. Tiens, il y a du hors délai, ça dégage. Merci d'être venu. Toujours Denis qui termine derrière des points. Vraiment, lui, il a pas honte. Allez, on avance au général. Donc, comme j'ai dit, on passe quatrième à quelques encablures de Sivakov. Mais derrière, ça a pris un tir. Ça a pris un tir. Au final, on a eu une belle étape. Hein, même si le profil, bon, bah, c'est arrivé en descente. En plus, il y a du plat. Mais on a eu une étape qui a fait des écarts. Paré-Peintre, Barguil, Alaphilippe, Champoussin, 8ème. Madois 9 et Vauquelin 10ème. Et on joue encore pour le podium. Même pourquoi pas pour Bardet. Même pourquoi pas, on va être un peu euphorique. Pourquoi pas aller chercher Romain Bardet. Pérez, Maillot à poids, qui l'a conservé pour le moment. Mais attention à Godu. Ouais, Godu, si ça prend l'arrivée au moment tout, c'est Maillot à poids. Ça faut pas l'oublier. Maillot par point Coquard, meilleur jeune Champoussin, équipe Agropa FDJ, Pérez, combativité. On avance, les amis, dernière étape de cette vidéo, déjà très très longue, important, mais on va la finir. On va la finir, Vierzon, le Creusot, c'est parti, une étape de plaine, donc une étape pas du tout de plaine. Au début, on dirait une étape de plaine, mais ça finit quand même avec des belles difficultés. Allez, ils étaient 8 coureurs à l'avant, ils étaient même 9 au total, mais on va rattraper Lino de la Nice Métropole, on a déjà rattrapé Delacroix de la Saint-Michel-Aubert, et désormais on s'attaque à la montagne Saint-Sébastien, 4 600 km à 5,5%, évidemment en comptant la partie de plat au milieu d'à peu près 1 km, sinon on est sur des belles pentes. Plus que 51 coureurs dans le peloton, donc il n'y a pas vraiment eu un énorme écrémage pour le moment. En même temps, on n'a pas eu un énorme parcours jusqu'à présent. J'ai emmené personne. Aujourd'hui, à l'avant, on est resté autour de Guillaume Martin. Je ne sais pas si on sera capable de gagner cette étape. Hein. Hier, ça arrivait au sprint, on a pas fait un bon sprint. Voilà, on était assez épuisé. Je pense qu'aujourd'hui, on sera encore épuisé. À nouveau, faut pas oublier, je l'ai pas dit, mais qu'il y a eu une journée de repos avant cette étape. C'est pour ça, regardez, toutes les barres bleues, elles sont à fond. Il y a eu une journée de repos avant l'étape du Creusot. Et celle-ci, elle a fait du bien pour repartir pour ces 4 dernières étapes. Je rappelle qu'on aura le Ventoux et le Paris-Roubaix dans le prochain épisode, hein, quand même. Ventoux et Paris-Roubaix dans la prochaine vidéo, à ne pas rater. Mais en ce qui concerne l'actualité, on est sur cette étape du Creusot. Pour l'instant, rien à signaler, tout va bien. Plus que 4 coureurs à l'avant. Mif Sud, Cyril Barthes, Calme Jeanne et Tony Galopin. Désolé, mais j'ai une vanne de merde. Mais c'était drôle quand même que Lino et Galopin se retrouvent dans la même échappée, quoi. Voilà. Ça, c'est une référence très très privée. Ceux qui l'ont et se marrent, tant mieux pour eux. C'est parti pour le signal du son, les amis, 6 km et ça roule très très fort, ça roule beaucoup trop fort. Je pense que là, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas conscience des deux derniers kilomètres, comme vous les voyez sur le profil, qui sont absolument monstrueux. Après, c'est vrai, hein, j'en parle de cette journée de repos, tout le monde est revigoré. Donc, c'est vrai qu'on aura moins de distancés qu'on a pu en avoir sur l'étape d'hier. Plus que 3 coureurs à l'avant qui vont se faire reprendre, il faut que j'essaie de bien me placer. N'empêche, il y a des points bonus à aller chercher sur cette étape. Ils sont importants. Oh non, non, oh, vous êtes témoin. Il m'a propulsé sur la barrière. Non, mais c'est pas fair play. Franchement, c'est pas fair play. C'est le coureur de la Total Energy, là. Et du coup, je me retrouve distancé. Ah non, ça, c'est vraiment pas cool. Oh. Alors là, des fois, j'ai fait des erreurs moi-même. Là, j'essaie de remonter sur la droite. Et c'est un coureur de la Total qui m'a propulsé sur la barrière. Non, mais j'y crois pas. Allez, c'est parti pour la partie intéressante. 1 600 km à peu près. Bah ouais, du coup, on est mal placé, hein, avec Guillaume Martin. J'ai pas pu remonter. Ah, c'est top. Merci. J'ai pas identifié encore quel coureur c'était. Mais je prends toute la Total Energy dans son intégralité dans mon collimateur. Ça, c'est fait. On va donner le bleu à toute l'équipe. Le rouge, on aura besoin. Hein. Le final, après cette côte, c'est pas terminé. Hein. Ça monte encore. Du rouge, il y en aura besoin. Bon, faut se replacer. Malheureusement, on pourra pas jouer les points ni de la montagne, ni les bonus, ni les bonifications. Au moins, essayer d'aller se replacer.
Il n'y a que 2 secondes de disponible pour le peloton, à moins qu'on reprenne Mif Sud et Galopin. Galopin qui fait une belle étape aussi. Bon, au final, j'ai dit qu'on ne pouvait pas disputer les bonifs. On est quand même tout à l'avant du peloton. On va se reprendre un poil de rouge, mais j'ai envie d'en garder. J'ai envie d'en garder quand même pour le final. Eh, mais ouais, mais sans déconner, on est en place pour aller chercher les 5 secondes. Hein. On va aller chercher les 5 secondes au final. Bah, merci. Merci la Total Energy. J'abandonne toutes les poursuites à votre rencontre. Bon, ça sert à rien de partir par contre. On va les attendre. Surtout s'ils sont 2 secondes derrière moi. Et on va passer au sommet quand même dans un très très gros groupe. Hein. Très très gros. Pas beaucoup d'écart. Pas beaucoup de courants distancés. Et Galopin à l'avant qui continue son bonhomme de chemin. Et on a une offensive de Rémi Cavagna. Je pense qu'au début il roulait pour Alaphilippe. Mais il a créé un petit écart. Et il s'est permis d'attaquer, de passer à l'offensive. Donc on va aller le chercher avec Martin. On va aller le chercher avec Guillaume Martin. C'est la dernière montée hein, du jour. C'est la dernière montée. Ensuite ça sera descendant jusqu'au Creusot. Et c'est pareil, Peintre qui a fait la jonction. On est parti à 3. On est parti à 3. Avec... Ah, c'est pas Paré Peintre, c'est Clément Berthet, pardon. Ah, j'ai vu un AG2R, j'ai directement pensé que c'était Aurélien Paré Peintre. Mais c'est Clément Berthet qui est sorti. Mais écoutez, on est parti à 3, en plus ça roule. Hein. En plus, Berthet, il a beau avoir Paré Peintre dans son équipe, il s'en fout. Il s'en fout. Et derrière, c'est qui? C'est Alaphilippe et Axel Laurence. Et écoutez, les amis, faut continuer, faut insister. Hein. Là, faut insister. Malgré le faible écart qui nous sépare du peloton. Il faut insister, et c'est là où notre gel rouge va être important, puisqu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin, sachant qu'on pourra pas trop se permettre d'utiliser la position aérodynamique dans la descente. Allez, Guillaume, faut insulter personne, on insulte personne. Il y a Madois d'ailleurs, distancé, tiens. Avec Arnaud Démare, qui a fait son taf, hein, notamment sur l'étape de la Reims, il a clairement fait son taf. Malheureusement, ça suffira pas. Ça sera pas suffisant pour Guillaume Martin. Derrière, ça roule très très fort. On a encore Brian Coquard. Non, Brian Coquard, il est mort. Ok, Coquard, il est mort. Donc tant pis. On va la jouer avec Martin. On va la jouer avec Martin pour éviter de perdre du temps bêtement. Tant pis pour le sprint. Le dernier kilomètre dans quelques instants de cette étape qui n'a pas répondu aux attentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, c'était un peu... On était un peu embourbé là sur ce virage. Le dernier kilomètre, on va dire évidemment à tous nos coéquipiers en revanche. Ça, c'est clair. D'attaquer, les gars. Ça, on attaque là. Il n'y a aucun souci. On fait le sprint, chacun de notre côté. Moi, je vais le faire avec Guillaume Martin, sachant qu'on est sur un final en boss. Hein. On est sur un final en boss. Mon coquard distancé, c'est logique. J'espère que ça fait le sprint. On voit Zingle qui fait le sprint jusqu'ici. Juste ici. On va pas faire un très bon résultat. On va accrocher à peine un top 10. Et c'est Christophe Laporte qui vient chercher sa deuxième victoire d'étape. Le coureur de la Jumbo, on rappelle, esselé. Hein. Esselé, il n'a aucun coéquipier. Et malgré tout, il réussit à remporter cette deuxième victoire d'étape. Et en plus, c'est deux étapes qui sont intervenues sur... deux victoires qui sont intervenues sur des parcours vallonnés. Donc il a montré vraiment que c'était un nouvel homme, au cas où on ne savait pas encore depuis son départ de notre équipe, la Cofidis. Christophe Laporte donc qui s'impose en excellente forme, et nous on n'a pas le droit. Hein. Nous on enchaîne les méformes, les formes normales, mais on n'a pas le droit de goûter au plaisir de l'excellente forme. J'espère que ça interviendra sur l'étape du Mont Ventoux. On a pris 5 secondes de bonif, faut pas les oublier celles-ci. Et normalement on revient à 1 seconde de Pavel Sivakov. Bon, à part ça aucun écart, mais mes coureurs n'ont pas voulu trop sprinter. Trop sprinter, c'est dommage. Je pense qu'il n'y a pas d'écart de favori. Barguil, pareil, Peintre, tout est bon, tout est en place. En effet, tout est en place. Alaphilippe, pareil. Au général, aucun changement dans le top 8. Et Guillaume Martin, donc, qui prend la quatrième place, qui conserve la quatrième place à l'issue de cet épisode. Une petite seconde derrière Sivakov. La bataille pour le podium va être succulente, les amis. Ne pas oublier le Paris-Roubaix qui nous attend, évidemment, lors de la dernière étape hein, aussi. Ah, mince, le Nick a abandonné. Anyways, Perez du coup, meilleur grimpeur, classement par points, Brian Coquard, et meilleur jeune, Champoussin, équipe Groupama FDJ et combatif toujours solide. Perez, même si Mif Sud revient fort, pareil pour Calmejean. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode assez long. On se retrouve la prochaine fois pour le dernier épisode, la dernière vadrouille avec la Cofidis, Fougères, Mont Ventoux, Paris-Roubaix. Tout simplement un programme de roi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager, à commenter. Plein de gros bisous, ciao ciao.